Alice. C'est bel et bien Alice. Tu es bel et bien Alice. Je le reconnaîtrai entre mille. C'est lui, je le reconnaîtrai entre mille. Comme tu peux le constater, nous prenons encore le thé. Tout ça parce que j'étais obligé de tuer le temps en attendant ton retour. Tu es affreusement en retard, vilain. D'ailleurs, le temps fort contrarié a décidé de tout arrêter. Depuis, plus un tic-tac. Tasse. Le temps est très curieux, en vrai. Oui, bien sûr, mais tu es enfin revenu et nous devons avancer au jour Fabieux sans tarder. Bonjour, Fabieux. Je m'intéresse aux choses, commençant par la lettre L. Sais-tu par hasard pourquoi un corbeau ressemble à un bureau? Ah bah, la maudite grosse tête! Pardon? Ah bah, la maudite grosse tête! La maudite grosse tête étant la reine rouge. Allons, allons, nous devons passer au massacre et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça qu'il est grand temps de pardonner et d'oublier. Ou d'oublier de pardonner, peu importe dans quel ordre d'ailleurs, tant que tout le monde est content. J'attends. Le petit tac est parti. Toutes ces histoires de massacres sanguinaires, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Ah. Le monde entier tombe en ruine et ce pauvre chat Prégrisine est triste. Ce qui s'est produit ce jour-là n'était point de ma faute. Oh là là. Tu nous as tous abandonnés pour sauver ta peau. Vieux mangeur de rats, glueux, crottant, pouilleux, surblanc, surcan, ou pas, par la moquette bonne Chapelier. Toi qui étais le plus grand festoyeur, le meilleur danseur de Gigant Délire de tout le comté de la Déraison. Gigant quoi? Gigant Délire! C'est une danse. Quand viendra le jour Fabieux, lorsque la reine blanche aura repris la couronne, oh, ce jour-là, je vais Gigant délirer vigoureusement. Que nous chantions en son honneur. Saint et petit chauve-souris, que fais-tu en cet endroit? Tu recherches. Si vous l'aidez à se cacher, vous perdrez votre tête. Oh, je l'ai déjà perdu. Allez tous ensemble. Tu voles dans la vallée, telle une jolie tasse de thé.